Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Belly Bilo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le retour de notre cher girls group H1Key qui nous revient avec un live clip et le titre de celui-ci, Deeper. C'est tout simplement, comment dire, comme vous avez les SM Station et tout ça, Belle et H1Key font la même chose, c'est des sortes de nouveaux projets musicaux lancés par elle, je pense, début de cette année ou fin de l'année dernière. Je ne sais plus, mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Mes chers, mes millions, roulement de tambour, j'ai envie de vous dire, générique. Comme vous voyez sa petite tête et vous l'entendez, mon fils m'accompagne pour sa réaction. Je ne peux pas faire autrement. Vous voyez à ma gueule que ça va pas du tout, du tout, du tout. Je suis vraiment pas top, 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 top. J'ai l'impression que ça s'empire. En plus, je me tape une bonne allergie à cause de mon parfum et de mon bijou qui est de la cacaille. Hein. Je ne sais pas me payer du Gucci ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Et j'attrape, enfin voilà quoi. Donc super, super, super. À mon avis, je me tape une bonne sinusite, je vois pas autre chose hein, parce que c'est vraiment bien là que c'est congestionné. Je vous dis pas, je vous fais pas un dessin de ce que je sors. Moi je pensais que mon fils commençait à attraper nos microbes parce que mon compagnon est quand même malade depuis lundi passé, mais pff, comme vous le voyez, il pète la forme, il se balance dans tous les sens, n'est-ce pas? Je pense que ça l'a fait chier d'être assis comme ça et de dire oh putain, maman, dépêche-toi à filmer ces vidéos. Mais voilà, par terme d'emploi du temps et organisationnel, je n'ai pas trop le choix. J'espère vous sortir mes vidéos aujourd'hui et celle de hier du 26 aussi, mais voilà, franchement je sais pas, je me sens tellement faible que je sais même pas comment j'arrive à m'occuper de mon fils, à me laver et à au moins filmer mes vidéos pour pas essayer de prendre trop de retard, parce que cette semaine il y a beaucoup de sorties dont j'ai envie de réagir quoi. Parfois je fais trop de réactions, il faudrait que je me restreins, mais c'est plus fort que moi. En tout cas, moi j'aime bien quand les groupes font des projets musicaux comme ça, à part entière de le comeback, un petit peu comme le système de SM Station, n'est-ce pas? Donc là, ils nous reviennent avec un nouveau projet, je pense que c'est leur deuxième, et un nouveau titre, et on aura un live clip, donc je suppose qu'on va aller voir chanter un micro, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que je vais apprécier cette chanson, et qu'elle va me mettre du baume au cœur, et peut-être aussi un boost d'énergie, parce que franchement, ma météo du jour est vraiment pas top du tout, et j'espère que la vôtre est meilleure que la mienne. T'as besoin de tirer sur les trous de mon pantalon, mon fils. Oui, t'es vraiment un excité de la vie, tu sais, toi. J'aimerais bien avoir ton énergie, hein. Hum? Non, t'es fatigué, ben voilà. Ce qui est bien, c'est que tu vois vraiment leur voix bien mise en avant et tout dans ce genre de projet. Mais tu peux pas encore marcher, qu'est-ce que tu fais? Liam, t'as que 5 mois et demi, qu'est-ce que tu vas aller marcher là maintenant? Ok, tu vas te tenir debout, ok. Bah, désolé les gars, on fait comme on peut. Hein. J'aime bien le fait que c'est juste dans un studio noir et ils ont des robes un peu déstructurées. Tu veux t'asseoir? Désolé les gars. Allez, assieds-toi alors. Ah, la robe s'en va sur les dos et la mer. La chanson est vraiment sympa. Liam, tu vas me faire venir chèvre. Je te mets à terre après. J'adore leur robe. Encore, elle veut dire je ne suis pas déprimée, je suis heureux, il faut aller de l'avant, qu'elle veut pas regarder en arrière. Bah, c'est une belle chanson. Hein. On va dire que c'est une chanson qui a des paroles assez chaleureuses et qui sont assez pertinentes dans ta vie de tous les jours. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien être heureuse. Je le suis, hein. C'est juste que là je suis malade et que je suis au bout de ma vie et que d'habitude je me plains jamais, mais là ça me casse les couilles. Ah, quoi que même si vous m'entendez souvent me plaindre dans mes vidéos, hein. Je suis pas de naturel à me plaindre, vraiment.
j'aime beaucoup ces ongles, c'est super beau et ce beau rouge. Oh, mais Graham, t'es excité comme une puce, hein. Pas mal. Elles ont vraiment toutes les belles de toutes les quatre, pardon, de très belles voix, de très belles tessitures aussi. J'aime beaucoup le fait qu'ils peuvent aller dans des aigus aussi. Oh, c'est joli ça. Oui, elle dit qu'elle est heureuse que son cœur est libre, mon cœur. Bah oui. A deeper. H1Key. J'aime le fait qu'ils ont fait H1Key et le titre de la chanson avec la même police sur le E, c'est sympa. Désolée les gars, je n'ai pas le choix de prendre mon fils comme ça, il est excité comme une puce. Oui. Revenons donc à notre cher Girls Group. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de projet parce que tu peux vraiment voir leur tessiture de voix dans toute sa simplicité. Elles ont toutes les quatre de magnifiques voix. T'as besoin de me boxer, mon fils. J'aime bien parce que les paroles restent assez chaleureuses. On a une belle balade. On a quelque chose d'assez pertinent. Je trouve que c'est comme si on avait une chanson un petit peu d'auto-guérison, de ne pas renoncer à sa positivité et rester avec un espoir, même au milieu du désespoir. Franchement, on a vraiment une belle chanson. Je trouve que même si, comme elles disent, si on éprouve de la douleur ou de la tristesse, il faut être heureux et pouvoir remettre le passé derrière soi et d'avancer tout simplement à nouveau. Elles expriment vraiment très bien, je trouve, ce message à travers cette chanson et également la sensibilité de leur voix. On a un bon live clip quoi, et le décor en arrière-plan était sympa. Par contre, j'ai beaucoup aimé leur robe qui était très jolie. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'es obligée de me boxer comme ça? Oui, bah maman, ça va pas non plus. On est dans le même bateau comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Maman termine, je peux? En tout cas, au niveau de leur single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes composées donc de deux titres. Vous avez tout simplement la version instrumentale. Et au niveau du visuel de la jaquette, bah écoutez, nous avons juste du noir avec le R comme ça qui fait un peu liquifié en confiture, enfin, c'est un dégradé de noir et de blanc, c'est très simple mais c'est assez sympa. Voilà, ils participent à la vidéo, c'est comme ça. Et vous mes chers Mélimilo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié leur deuxième projet spécial musical avec leur côté H1Key Note. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toute la personne qui vous entoure. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.